s'il envie faire un créneau quelconque, disons la science, il n'est pas obligé de quitter sa collège la poêle dans un collège spécialisé. Comprends ça bien. Spécialisé, vous avez fight. Mais si les enfants-là sont dans ce niveau, ils ont envie de faire science, ce collège que qui était là, vous continuez ce qu'il faut aussi. Ça, la beauté du temps. C'est qu'il a envie de quitter à lui. Il y a des compites, c'est qu'il a envie de rester, de continuer. Il y a les escaforms et les composants, des composés, etc. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais bon, ça c'est la dernière scolaire. Je voulais dire qu'il nous finit faire le travail au sein du ministère, nous finit faire le mapping, et une seule école qui supposait être manquée. Ça aussi, pas pour manquer, parce qu'il y a une école primaire qui nous faisait faire le lit, et nous transforme le dans l'USM régional, et il donne nous le temps de faire dans 3 ans, faire la suite, pour que l'école là continue, bien sûr, full escalade aussi. Bon, ça, je trouve tout parti politique, il englobe ça dans un programme. Et je crois que je suis tout déconné qui je peux dire. Donc, du dernier schooling, obligé, vini, mais je ne peux rien dire de compétent qui met ça en œuvre. Et puis, je peux faire une des mêmes choses, repas. Repas à nos enfants, de faire beaucoup plus de nos enfants manger dans l'école. Mais dans une place qui n'est pas encore bien, qui n'est pas existé partout. Nous choisir une école ZEP, une école en difficulté, une école non ZEP qui est en difficulté. Mais moi, ce qui me met dans nos programmes, ce qui nous mettait, c'est qu'il disait à l'heure du repas, non seulement que le repas vient du système de l'école, mais que ce repas soit partagé par les enfants ensemble à l'extérieur des classes. C'est qu'il demande nous une infrastructure. Bon, pour faire un repas chaud, nous dire oui, il est dans nos programmes, il est déjà dans nos programmes, il est continuer dans nos programmes, mais je ne passe pas, comme je dis, chaque fois, je dis, une seule fois, je ne passe pas une difficulté, je ne peux pas régler ça. Donc, nous prenons un petit temps pour faire les vignes bien. Il oblige nous, mais pas une cuisine dans toutes les écoles, et une méthode de réception, de distribution du repas chaud à l'intérieur des écoles, qui demande un système, une infrastructure importante. Nous déjà, il y a 4 écoles qui nous finissent qualifiées pour ça, que nous attendons en janvier, et il y a 4 écoles que ça ne finit pas. Mais là, ma pécose, mange les pas là ensemble. Il y a une autre façon de penser. Personne ne parle de ça. Moi, ma pécose. Mange les pas là ensemble. Ça veut dire un préau. C'est la cause ça qui me met préau dans beaucoup d'écoles. Ça préau là, en bas, vous avez un ventilateur, pas de choses, pour qu'ils entrent. Et dans les autres pays, il existait. Votre enfant partage votre part, pour les servir à les autres. C'est pas la classe qu'on fait. C'est le loisir en même temps, l'alimentation. Et après, c'est dans le jeu. Bon, et puis nous avons le problème de transport. Nous nous sommes pour, mon camarade Dr Tchédi, qui est déjà ministre de l'Infrastructure, qui s'occupe aussi pour le transport dans le pays. Nous avons une catastrophe avec transport, que nous donnons à nos enfants, transport gratuit, qui nous pouvons maintenir, d'accord? Mais seulement nous dire qu'il nous visait un dedicated buses pour l'école. Vous avez vu que ça l'idée là, mais seulement malheureusement, vous allez très clairement, le Premier ministre, il pensait qu'il n'est pas facile pour mettre en opération. Moi, je ne pas quoi là. Je ne pas une occasion assise et sauf un expert. Parce qu'il n'est pas comme ça, l'exemple, je suis un expert pour mon cousin. Sauf un expert, il me fait croire qu'il y a un projet pratiquement impossible. Moi, je veux dire, je veux faire l'étude au niveau du ministère de l'Éducation. Je veux étudier tout sur l'Inde and out. Je appelle NTC. Divan avec moi, mon fils appelle tout ban du monde qui n'a plus dans sa pays là. Et là, il a ban plus de l'usine, je service de plus entre 7h et 8h, 8h30, et nous nous servirons entre 8h et 9h. Mais ils suivent, tantôt, nous nous servirons entre 3h et 4h30, et ban là, servirons en 5h30, 6h. Mais pourquoi pas partager ban plus comme ça? Et ban l'usine, un bon parti d'accord. Donc, il y a un système d'organisation et de gestion. Moi, je suis convaincu qu'il n'est pas capable. C'est moi ce qui nous peut dire. Le bus doit être dedicated pour l'école. Collège Royal Pépé, il y a déjà 6 bus, il y a non ce 6 bus pour qu'il gère. Alors, elle sait souvent qu'on faut amener et elle prend ça. Vous connaissez une fois qu'on a une inondation, 10 CMD qui vous occupez. À 5 coups de dire, les bus ont fini vite, vite. Là. Les bus ont cassé ce programme, 5 minutes les hivers. Les enfants gagnent des temps, gagnent un problème. Tout savoir est comme une freine. C'est le coup à ça. Dedicated buses pour les écoles. Et puis, bien entendu, pour un handicapé, mais pas pour rentrer dans ça
dans le détail là aujourd'hui. Nous le faire énormément, moi personnellement, comme un handicapé, et me donne une garantie qu'il a beaucoup encore à faire et qu'il nous maîtrise. Là, je trouve madame Bapoua, ce matin, je viens de ça. Qu'il va être handicapé, payer un transport, je gagne un transport gratis, mais c'est moi, pas de tout ce qui vise dans le transport. Mais moi, je peux dire pas de transport gratis pour handicapé qui me peut dire. Nous, nous pouvons dire pour un handicapé, viser un transport pour les handicapés. Ben 15 sites adaptés suffisamment dans le pays. Nous faisons sa quantité handicapée là, quand il y a une cause de 200 000, 300 000 enfants là. Nous faisons cause de 10, 15 000 enfants. Et le bizarre qu'on organise le transport, nous connaissons que de rester. Ben bizarre qu'on passe, mais uniquement pour les handicapés, les familles aussi. Quand il y a un handicapé, quand il rentre dans le bus, la famille là, vous a payé bien. Et souvent, le handicapé là, il n'y pas aller parce qu'il est malade, il a un problème. Ou bien pas parler un problème. Et nous mettons un frein avec tout ce qu'on a fait là. Bon, on ne peut pas rentrer plus dans les détails, mais aussi, la meilleure recette viendra de nous. Parce que nous, les gens qui maîtrisent ça beaucoup plus. Et puis, finir avec l'éducation, nos domaines académiques et extracurriculaires qui m'ont fini d'introduire pour notre collègue. Et il veut faire son bout de chemin par lui-même. Et ça, nous pouvons continuer à fond. Il faut continuer, au contraire, d'un plus moyen encore. Pour que toute l'école fasse un minimum de ce qu'on appelle extracurriculaire, ce qui n'est pas le cas maintenant, pour vous dire bien franc. Et là, l'école va faire cela, cela ne va pas faire, aujourd'hui. Mais nous introduisons, on est fier pour dire qu'ils vont introduire cela dans l'école. On introduit le créole dans l'école. Utilise tout ça, mais partout, il y a un minimum qui va ben, l'enfant fait. Et donc, à tous les niveaux, pas seulement en pré-primaire, primaire, mais même en secondaire. Sur le plan de la santé, on parle vite, donc là, nous pour installation, ce qu'on appelle un médecin de famille. Il n'y a pas une sortie d'en rêve, ça. L'État motivé une backbencher pour la première fois. Mon maiden speech, mon recommande, je t'ai dit ça, maiden speech. Là. Je vous trouve pas une proposition qu'il me fait pour la santé là-dedans. Une partie, il me met en pratique, mais il y en a une partie qui jusqu'à aujourd'hui dans tout ce valeur, y compris ça. Je vous cause l'assurance médicale et je vous cause médecin de famille. Vous connaissez quand on a une médecine de famille, ça veut dire qu'on a un certain nombre de personnes avec un médecin basé là, et il y a la possibilité que ce docteur là, vous pouvez m'en payer pour lui. Et pareil, qu'on les paye pour lui, donc je le dis. Même système. Et après, le soir, on a un tour de garde. Parce que vous avez un 10 dans la région, loin de kilomètres.